Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des incoterms. C'est quoi les incoterms? À quoi ça sert? C'est quoi ces trois lettres à chaque fois quand je fais une demande de prix à un fournisseur à l'étranger en Chine ou n'importe quoi? Il me dit voilà le prix, ça c'est le prix FOB, ça c'est le prix EXW Xworks, ça c'est le prix CIF. Qu'est-ce que ça veut dire ces trucs-là? Vraiment, on comprend rien du tout. Puis même si tu comprends un petit peu, c'est bien d'aller creuser un petit peu la chose et puis de voir un petit peu les pièges des incoterms. Voilà, donc cette vidéo, on va parler de ça. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos, un ensemble de vidéos complet et gratuit, accessible directement dans le lien de cette description, sans capture d'email, rien du tout. Vraiment, il n'y a aucun bullshit. Comme formation à la logistique, à l'import-export, au e-commerce, de A à Z. Et donc, tu as un lien dans la description avec toute la liste des vidéos dans l'ordre. C'est ça le problème qu'on a avec YouTube, c'est que souvent c'est pas très bien organisé. Donc j'ai créé ça avec un Google Doc, je te laisse regarder ça dans la description. Quoi qu'il en soit, voilà. Pour ceux qui savent déjà, on passe à la suite de cette vidéo. Les incoterms, c'est quoi les incoterms? Les incoterms, pour comprendre un petit peu les incoterms, il faut revenir un petit peu en arrière. À peu près un siècle en arrière, la Chambre de commerce international était créée. Et quel était le but de cette création de la Chambre internationale de commerce, la ICC? C'était justement de créer un cadre. Parce que le commerce international était en pleine expansion, tu vois, et le monde est de plus en plus petit, mais le problème, c'est que chacun y allait un petit peu de son truc, quoi, de son contrat, de ses conditions, etc. Et il fallait tout simplement un cadre, il fallait quelque chose qui permette aux gens de se comprendre. Déjà qu'on a des problèmes de langue, on a encore plus de problèmes d'interculturalité, on reviendra dessus aussi, et on va en parler aussi dans cette vidéo parce que ça compte pour beaucoup. Et donc ils se sont dit, ok, il faudrait créer quelque chose. Donc la Chambre de commerce internationale, elle a été créée en 1920-1919, dans ces eaux-là, elle a à peu près 100 ans. Et c'est en 1936 ou 1939, je sais plus, je connais pas bien les dates, je suis pas bon en histoire. Donc ils ont décidé de créer les premiers incoterms. Et ces incoterms, ils évoluent avec le temps, parce qu'on a des choses qui changent, on a des usages qui changent aussi, c'est comme les dictionnaires de la langue française, on a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure, en fonction des usages. Et ça permet d'avoir un cadre. Voilà, ça permet de limiter à une dizaine, douzaine de possibilités les responsabilités. Qui fait quoi, jusque où, qui prend quelle responsabilité, qui paye l'assurance, qui ne la paye pas, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on peut avoir justement un cadre qui nous permet de faire du commerce international dans de meilleures conditions. Alors, on va aller regarder sur mon ordinateur maintenant la Chambre de commerce international. Peut-être qu'on vérifiera les dates de quand ça a été créé, ce machin-là. Et on va creuser un petit peu, voir comment est-ce que vous pouvez voir tous les détails sur les incoterms. Je vous donnerai aussi une version personnelle dans les autres vidéos de cette formation. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo pour chaque incoterm, comment ça se passe dans la pratique. On va revenir là-dessus parce que ça, c'est important, la pratique. Donc ici, Chambre de commerce internationale. Et on voit qu'on a un lien vers Incoterm 2020. Et tout de suite, on comprend quelque chose. C'est que les incoterms évoluent, je vous le disais. La dernière version des incoterms, c'était les incoterms 2010. Là, pour les 100 ans de la Chambre internationale de commerce, ils se sont dit, allez, on va renouveler le truc et puis on va remettre à jour un petit peu tout ça. On me dit souvent, Cédric, c'est quoi les différences entre les 2010 et les 2020? Est-ce que vraiment... Non. En fait, il faut vraiment voir la différence entre la pratique et la théorie. Mais c'est valable pour tout. Pour les contrats, quand tu fais un contrat avec un partenaire à l'étranger, déjà qu'en France, quand tu dis un contrat avec quelqu'un, ça se passe jamais comme prévu. Tu vois, même des contrats ou même des lois, tu vois, en France, la Constitution ou des trucs comme ça, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un grand gap, un grand fossé, tu vois. Donc, quand on est dans le commerce international, c'est encore pire. Par exemple, pour le FOB, le Free On Board, dont on parlera dans une autre vidéo, tu as le lien dans la description, eh bien, souvent, la marchandise, elle est mise sur le bateau. Donc le fournisseur, il doit payer aussi la manutention, les grues, là, les portes, les trucs qui mettent les, je sais plus comment ça s'appelle, les conteneurs sur les portes conteneurs. Mais dans la pratique, on en parlait avec Valentin sur Facebook, c'est du faux FOB au final. Ce qui se passe, c'est que le fournisseur, il va livrer ta marchandise jusqu'à l'entrepôt de ton transitaire au port donné, mais il va pas payer la manutention ensuite, et donc c'est toi qui vas te la prendre. Donc ça, il y a une petite fluctuation au niveau du prix, quoi, en fonction du produit, en fonction du poids, volume, etc. Ça peut t'impacter de manière plus ou moins forte. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'il y a une grosse différence entre la pratique et la théorie. Mais c'est bien de connaître les règles déjà, de connaître le cadre. Mais après, il faut pas s'énerver, on en reparlera dans la partie interculturalité, quand ça se passe pas exactement comme c'est écrit dans les contrats, etc. Et surtout quand il y a une mise à jour aussi, il faut laisser le temps aux fournisseurs, hein, qui sont pas forcément tous très bons en anglais, eh bien de s'adapter. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on est là-dessus. Et donc, on a les incoterms. Qu'est-ce que c'est les incoterms? Donc, voilà, la Chambre de commerce internationale, elle a 100 ans. Un peu plus de 100 ans maintenant. Donc, ça a été créé en 1919 et ça a été créé en 1936. Ça, j'étais pas loin, ça, c'est bon. J'avais dit 36 ou 39, je crois.
Donc voilà. Donc ça a été créé par eux. Vous pouvez regarder leur site, il y a plein d'informations super intéressantes sur le commerce international. Et ils vendent aussi le guide précis de chaque Incoterm, qui doit faire quoi, jusqu'à quel endroit, qui prend quelle responsabilité. Vous pouvez aussi l'acquérir en plus des vidéos gratuites que je vous donne. Ça peut toujours être une ressource intéressante. Moi, j'avais acheté la version 2010, j'ai pas acheté la dernière version. Ça coûte environ une cinquantaine d'euros si tu prends la version papier, donc que tu te fais livrer. Ça coûte environ une quarantaine d'euros si tu prends la version, on va regarder, la version numérique, dématérialisée. Donc on va regarder ça, on va aller sur leur boutique et puis on va vérifier, comme ça je le fais avec vous si vous n'êtes pas non plus à l'aise en anglais, mais ça existe dans toutes les langues, hein, ça. Donc vous, quand vous irez sur le site, moi mon ordi est en anglais et puis je suis en Chine, peut-être que pour vous ça se réfléchira directement en français, j'en sais rien. Donc on a les Incoterm, donc ils ont plein de trucs, hein, qui sont plus ou moins chers. Best-seller Incoterm 2020, donc prix 45 €. On va aller voir si ça veut bien. Donc Incoterm 2020. Ah voilà, c'est ici sur la droite, j'ai pas vu. Le livre papier 45 €, l'ebook, donc version dématérialisée, 40 €. Ça va, franchement, ça va. Et vous avez dedans tout le détail de chaque Incoterm. Ça peut être intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher l'information à la source que d'aller acheter des trucs dans une librairie ou sur Amazon, etc. qui au final ne fait que recycler ça. C'est mieux d'avoir la base, vraiment la théorie. Et dans cette formation en vidéo, la pratique. En sachant que voilà, la pratique, elle s'éloigne parfois un petit peu de la théorie. Mais voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça les Incoterms, mais ça sert à ça surtout, à savoir qui est responsable de quoi, jusqu'à quel endroit. Ça permet d'avoir vraiment un cadre et puis d'être clair dans sa tête aussi sur les frais qu'on va avoir. Parce que si tu prévois pas, par exemple, ton assurance, tu prévois pas la palettisation, tu prévois pas les douanes, tu prévois pas la marge, elle est vite bouffée, quoi. Donc ça te permet, toi aussi, quand tu fais ton tableur avec le prix, je vous donnerai mon tableur aussi, tous les liens sont dans la description, de calculer précisément quel est ton coût de revient, quelle est ta marge d'erreur, quelle est la budgétisation de tes risques, et puis voilà, combien est-ce que tu vas gagner, combien est-ce que tu vas faire de marge exactement, plutôt que d'avoir la surprise, quand tu es débutant, ou soit le jour où il y a un problème, de te faire bouffer une partie, ou plus même que ta marge, et d'être à perte. Voilà, donc très très intéressant les Incoterms. C'est pas si compliqué que ça, comme tu peux le voir dans les autres vidéos qui expliquent la pratique. Encore une fois, tu as tous les liens dans la description. Si tu as des questions, si tu as des réflexions, des réactions, t'hésite pas, plein de trucs en sion, tu me dis tout ça dans les commentaires. Et puis si tu as d'autres choses qu'on a dans la formation et qui ne sont pas encore, qui sont pas assez approfondies, ou des choses qui ne sont pas dans la formation, tout simplement, eh bien, tu me demandes dans les commentaires, tu me dis de quoi tu as le plus besoin et je te crée des vidéos juste pour toi. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo sur les Incoterm. Je vous laisse regarder le détail de chaque Incoterm dans les liens qui sont dans la description de cette vidéo. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye.